Hey, what's up les potes? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour partager, je pense, les dernières informations avant la sortie du patch de la mise à jour qui arrive demain, donc de la mise à jour d'avril qui va rajouter tout ce nouveau contenu, prison des vétérans, nouveaux exotiques, nouvelles armures, nouveaux niveaux de lumière. Ça va envoyer du lourd, ça devrait d'ailleurs arriver demain soir vers 19h, voilà. Et il y a une dernière information qui est parue donc sur le site de Bungie, ça a été trouvé il me semble sur le site Reddit directement. Vous le savez, ils ont fait un petit peu de communication comme d'habitude, donc ils nous ont partagé un petit peu les détails de la mise à jour et notamment l'agrandissement du coffre. Donc le coffre va être agrandi, ça vous le savez. Et quand on zoome sur les petites vignettes au niveau des armes, donc on peut voir tout au fond qu'il y a bien le Zen Meteor qui va faire son arrivée. Donc il s'agit bien de la miniature du Zen Meteor. Il y a la promesse du rebut qui va arriver en version 1 et 2. Mais si on zoome sur la première de celle-ci, on voit qu'il y a deux maîtres du tonnerre et qu'elles sont un petit peu différentes. Vous le savez, la maître du tonnerre, donc c'est une arme lourde, un fusil mitrailleur exotique qu'il a depuis le début du jeu, qui a une arme à dégâts cryo-électriques. Et bien apparemment, ça y est, vous le savez, on en parle depuis très longtemps maintenant, la Fire Lord, donc en français, la maître du feu, devrait voir le jour avec cette mise à jour. On en parle depuis très longtemps de cette arme, je ne sais pas si vous en souvenez, mais avant Tekken King, Gamma Informer avait pu tout simplement prendre la main sur Tekken King pour essayer un petit peu en avant-première. Et à l'époque, on a vu un gameplay de cette arme, donc gameplay que vous mettez directement à l'écran maintenant. Donc c'est bien la maître du tonnerre, mais en version feu. Donc elle est vraiment très jolie. Je pense qu'elle va faire vraiment très mal. De toute façon, la maître du tonnerre, elle est très efficace en dégâts cryo. Donc celle-ci devrait être à son tour très efficace en dégâts solaires. Voilà, donc ça fait du bien. Toujours des nouvelles armes qui vont arriver. On est vraiment très content à ce niveau-là. J'ai d'ailleurs les deux skins différents. Vous avez bien la maître du tonnerre ici et la maître du feu juste au-dessus. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir des nouvelles armes, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes enfin content. Alors ça fait vraiment très très longtemps, je crois que ça fait à peu près depuis le mois d'août, il me semble qu'on entend parler de cette arme. On avait vu des gameplays donc de Game Informer, et enfin, elle devrait voir le jour, voilà, si les screens de Bungie confirment bien cela. On peut voir également plein d'autres armes exotiques, et notamment celle-ci, alors c'est un revolver. Et franchement, alors je ne sais pas de quel revolver il s'agit, j'ai jamais vu cette arme, donc peut-être un nouveau revolver devrait faire son apparition donc avec cette mise à jour, et franchement ça ferait plaisir également d'avoir une nouvelle arme principale qui va arriver. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si pour vous c'est peut-être, vous le savez, hein, quand ils mettent une arme au goût du jour, ils modifient un petit peu la miniature, la vignette de l'arme. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si cette arme peut être une arme qu'on connaît déjà, ou une nouvelle arme. En tout cas, on devrait avoir plus d'informations à ce niveau-là dans les jours qui viennent quand on les aura lootées. J'espère vraiment que ces informations vous ont plu. Je tenais aussi à vous informer qu'on va être en live, donc ça fait très longtemps qu'on n'a pas streamé sur Twitch. Et on sera en live directement sur notre chaîne Twitch. Donc le lien est dans la description, demain à 19h, voire on devrait lancer un petit peu avant. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à être nombreux. Ça va faire plaisir de se retrouver en live également pour découvrir ce nouveau patch, cette nouvelle mise à jour d'avril qui arrive. Et qu'on l'attend tous sur Destiny. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, les potes, à me dire ce que vous pensez de ces informations, de ces armes qui arrivent. On se retrouve demain soir en live à 19h. N'hésitez pas également à partager, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous tous.